Il n'y a aucun doute. C'est encore cette vieille sorcière qui a fait le coup. Sois plus clair, Oumar. Mes génies me disent que c'est Tara qui a caché le cœur de Yannick dans un canari. Malgré les médicaments que j'achète, la santé de mon fils ne s'améliore pas. Je ne comprends vraiment pas. Comment peut-on arracher le cœur d'une autre personne par la sorcellerie? On ne peut pas expliquer tous les mystères de notre société, ma fille. Évitez de singer les blancs. Nous avons notre propre réalité. Tara est une sorcière. Il faut réagir avant qu'elle ne tue l'un dernier. Hé hey Tara, sale sorcière! Qu'est-ce que j'ai fait? Tara n'est pas une sorcière. Il te fallo la sorcière. Il te fallo. Ah, bonjour mon fils. Bonjour maman. Mais tu n'es pas avec Yannick. Non maman, vous savez, Yannick est un très bon joueur. Et je suis le premier à le reconnaître. Mais s'il ne vient pas plus souvent aux entraînements, il s'exclut lui-même de coach, s'il te plaît, donne-lui une dernière chance. Tu fais quoi? Je t'ai moqué à l'entraînement et à l'université. J'étais convaincue de te trouver ici et en bonne compagnie. Tu perds ton temps. Je me suis déjà expliqué là-dessus avec ma mère. Ta mère s'est mise dans la tête que Tara est une sorcière. Tu n'oses pas affronter Oumar, hein? Yannick, prends tes responsabilités. Yannick, aide-moi à combattre les fausses croyances dans notre quartier. Où veux-tu en venir? Va voir un vrai médecin. Bonjour Manda. Bonjour Halima. Ça va? Ça va. Les résultats des tests de Yannick. Yannick est séropositif. Assois-toi Halima. Assois-toi. Merci. Tu sais, Halima, être séropositif ne veut pas dire être malade. Oh, je te dis que c'est non. Yannick n'a plus de chance. Il est condamné. Au contraire, crois-moi. Yannick n'a plus de chance. Je sais de quoi je parle. Si Yannick prend les antirétroviraux et suit scrupuleusement son traitement, il peut mener une vie normale. Yannick peut encore jouer au foot et finir ses études. Créer cette association pour changer les mentalités et redonner l'espoir de vivre à tous les séropositifs de notre quartier. Moi, je suis séropositif depuis 5 ans. Yannick, tu fais partie de notre grande famille. Dans la vie,
Il ne faut jamais perdre espoir.